Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu chez Pupik, notre cher ami Fenard Alola. Donc on va se faire un petit gameplay de Fenard Alola. Juste pour plaisir, attends, je vais en haut ou je vais en bas là, parce que... Essayez pas de m'embrouiller, hein. Ok, bon, moi je vais en haut avec, avec Tarsal, hein. Donc à un moment, faudra laisser quand même un peu de farm à Tarsal pour qu'il puisse évoluer le plus rapidement possible. Parce que nous, on évolue bien avant Tarsal. Donc... Il vaut mieux pour lui. Ok. Ok. On va faire ça. Alors nous on va commencer par prendre ça. Et ensuite à moi il faudra qu'on prenne la compétence qui est juste énorme, le voile aurore. En gros le voile aurore c'est qu'on va créer un voile qui réduira tous les dégâts reçus par le lanceur. Et bien sûr tous les Pokémon qui sont alliés. Et tous ceux qui sont dedans, on augmente la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque, qui sont, on va dire, bien boostés je suis toujours dans la zone. Donc, la voile aurore, c'est un bon boost. C'est pas négligeable. Donc, on va le prendre. On va partir sur ça. On va partir sur le boost. Et puis, on partira sur le... Et on partira sur l'éclat magique. Hein. Éclat magique et... Le voile aurore. Hein, qui, je pense, peut être très très bien. Ok. Nickel. Pour l'instant, tout se passe bien. Hein. Pour l'instant, en bas, c'est bon, ça se passe bien. On va laisser son Pokémon. Voilà, on y laisse son Pokémon, il faut qu'il évolue. Oh, on a pu toucher au dernier moment. Voilà, Aurora Veil. Voile Aurore. Voilà, allez. Voilà, on a eu un petit boost de la vitesse d'attaque. Bien sûr, dès qu'on est plus dedans ou dès qu'il est fini le spell, le skill, on le perd. Hein. Il faudra le réactiver dans les... plus tard. Allez. Voilà. Il a évolué pour l'instant en Kirlia, donc c'est cool. Oh, toi, d'où tu piques le... D'où tu piques le... Le moba, mon pote. Voilà, un peu de vitesse d'attaque, c'est juste énorme. Franchement, ce spell, il est juste énorme. En plein fight, ça peut être énorme de mettre vos coéquipiers à l'intérieur. On récupère des PV. Voilà. Et on va se faire ce ça. Allez. Ce qui a permis en plus là d'avoir une vitesse d'attaque abusée pour faire plus rapidement le motisme. Bah voilà. On a pris la première base. La première base du top. Donc ça c'est cool. Allez Kirlia. Lui, on va le laisser avancer. Et si on l'a... Bon, il y en a... Il n'y en a aucun qui veut venir. Oh, il y a Spectrum qui arrive. Là! Oh, le Spectrum, il a rien pu faire. Bon, déjà, j'ai pas compris pourquoi il a pas bougé. Mais même s'il aurait bougé, de toute façon, ou s'il aurait tenté quelque chose, il était mort. Mais ça aurait été vraiment plus intéressant qu'il puisse opposer une petite résistance. Parce que là, franchement, c'est... Bah, c'est tranquille, quoi. Allez.
Voilà, toi, je t'ai frozen. Donc, c'est-à-dire qu'il est gelé. On remet des points dedans. Tranquille. Bon, bah alors là, il est mort, le zéro. Il s'est fait défense. Ok, ok, ok. Bah pour l'instant, on est en train de les dominer puissance 1000. C'est abusé. Allez. Une attaque un peu plus rapide. Voilà. Voilà, nickel. Oh, ectoplasma, je sais pas ce que tu fais, mais je reviens. Oh, d'où tu me tapes, toi? Tu veux que je te mette un coup de boule, ectoplasma? Vas-y, est-ce qu'on prend un peu de farm pour monter niveau 11? Un peu de vitesse d'attaque. Voilà. Voilà, nickel. Déjà à niveau 11, on va même avec, même sur le là, là sur le frisson on peut être 12. Sur frisson on peut être 12. Bon non, je vais le taper, il me fait de la peine. Je sais pas ce que tu fais là, mais dégage. Hein. L'autre, il a essayé de passer par là parce qu'il savait qu'en haut ou en bas, il pouvait pas gagner. Donc il a essayé de passer par le milieu pour nous mettre des putains de points. C'est hallucinant. Voilà. Ok. On a un ectoplasma qui est AFK. Faut prendre en compte ça aussi maintenant. C'est qu'il a voulu AFK le ectoplasma. Allez, on met 30 points. C'est gratuit. Merde, je me suis trompé de direction. Ouais, d'accord. Bon, il a fait son ultime dans le vent. Hein. Cherche pas la merde. Garde-voir. Hein. Oh. Tu commences à faire un peu de dégâts, garde-voir, moi je dis. La confrontation, ça risque d'être tendu. N'y va pas, n'y va pas. Oh, le ectoplasma cherche la merde. On peut le 1v1. On peut le 1v1. On le frozen. Et voilà, c'est fini. Merci. Aïe! Non, non, non. Une petite vitesse de déplacement. On back et on instant électore. Parce que la team a l'air de l'avoir commencé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va descendre en bas pour mettre des points? Bon, ils ont eu Elector, c'est bon. On va quand même aider le fight. Mais ils ont eu quand même Elector, hein. Ça doit qu'en face, ils étaient pas doués, hein. Parce qu'ils auraient pu contester, hein. Même pas. En bas, les steaks. Et j'ai vu l'adversaire mettre aucun panier depuis tout à l'heure, hein. C'est moi ou l'adversaire n'a mis aucun panier? J'ai vu personne dans nos cages. C'est ça qui est abusé. Donc je sais pas. Je suis en train de... J'ai des doutes là. J'ai vu personne mettre de points. Enfin, après je peux pas voir la map. Je peux pas voir tout sur la map en... Je peux pas tout regarder et tout voir tout le temps mais... Moi j'ai rien vu hein. Ouais, ils vont me tuer, c'est pas grave. C'est pas grave. Gros doudou, il y a Ectoplasma qui va aller au milieu. Eh, le Ectoplasma, il est déter, hein. Il est pas bon, hein. Il est pas bon, mais il est déter. Ah, il est déter de ouf, hein. Il a perdu, en early, il a été inefficace. Voire même sans effet. C'est sans effet.
C'est ouf, hein. Il a pas eu de chance, hein. Il a servi à que dalle pendant cette game. Bon, bah voilà. Nickel, hein. Ils ont mis combien de points, là? Ah bah, 0. Je vous l'ai dit, ils avaient mis 0 points. C'est abusé. Il y a eu 0 points du camp adverse. C'est ouf, hein. Ah, putain. Waouh. Ils étaient pas du tout doués du tout. Ah ouais, non, mais là, c'est la catastrophe pour eux. Là, franchement, il faut qu'ils rentrent chez eux. Bon. Eh ben, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Fenard Alola. Comme je vous l'ai dit, c'est en préparation où je vais très très bientôt vous proposer des builds. Et comme je vous dis, ce sera quelques temps après avoir joué et vous proposer une vidéo sur Tortank. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.